La longue histoire des supports de décrit semble consacrer une prééminence toujours plus grande du texte sur le support. Argile, feuilles de papyrus, écorce d'arbre ou peau d'animal, le support de l'écrit est d'abord naturel, lié à un environnement géographique immédiat. Le texte se coule alors dans les contraintes que le support lui dicte. Ainsi, le découpage de l'Iliade en 24 chapitres correspond sans doute aux 24 rouleaux de papyrus nécessaires à sa transcription. Une étape significative est franchie avec la diffusion du parchemin qu'on peut plier à sa guise pour obtenir le format souhaité. Avec l'essor du papier, le texte affirme sa maîtrise sur un support devenu universel. Le papier occupe, dès lors, dans cette longue histoire des supports de l'écrit, une place privilégiée. Beaucoup moins coûteux que le parchemin, facile à produire en tout format et toute qualité, son usage se généralise et il devient bientôt le support universel. Il favorise le développement de l'imprimerie et contribue avec elle à la diffusion sans frontières du texte. L'évolution des supports de l'écrit apparaît aussi comme celle d'un compactage de plus en plus grand de l'information, comme si de plus en plus de textes se concentraient sur de moins en moins de surface. Avec la compression des données numériques, les capacités de stockage des nouveaux supports ne cessent de s'accroître. Ces supports ne semblent pas pour autant condamner le papier. Les énormes volumes de textes stockés sur ces espaces mémoire, classés, structurés, indexés par l'informatique, associés aux sons, aux images fixes et animées, demandent toujours à être lus. Et leur lecture s'effectue souvent plus aisément après impression sur papier qu'à l'écran. Avec l'évolution des supports, le statut même du texte a changé. Le texte, autrefois figé dans le marbre du livre imprimé, est devenu fluctuant, mobile, ouvert à d'innombrables évolutions instantanées, inachevé, comme un éternel brouillon.